Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle session de Final Fantasy X-2 Last Mission HD Remaster. Chargeons tout de suite notre partie, nous sommes en 29-5-2018-23-31, ça semble pas mal du tout. Chargeons les deux sauvegardes. On se souvient que lors du dernier épisode, de la dernière session, il s'est passé un petit crash, on va appeler ça un crash, on a essayé de nous vendre ça comme un petit... Votre PlayStation a rencontré un problème... bon, un crash, quoi, globalement. Pas d'inquiétude. De mon côté, j'ai refait tout le parcours qui était nécessaire entre le niveau 55 et 60, si je me souviens bien. Et cette fois, j'ai sauvegardé à la fin du niveau 60. Nous sommes donc au niveau 61, exactement là où nous en étions, avant de se retrouver atomisé par ce petit problème technique. Avec un inventaire de type 3 élixirs, 2 grimoires, 2 manuels de conjuration avec un exemplaire sur 2 emplacements, un manuel anti-piège, chronique de l'espoir x3, histoire revigorante x3, on a un chevalier noir niveau 1 qu'on aimerait bien pouvoir fusionner, mais nous n'avons pas de manuel de fusion pour pouvoir passer en 47 en chevalier noir. De l'huile noire qui ne nous sert pas à grand chose et une annale sismologique, ou des annales sismologiques plutôt, qui nous... Je ne sers pas non plus des masses. On va pouvoir lire directement. Alors attention, petit bruit de calepin, voilà. On se prépare la liste pour les barrières à venir. Il me semble bien, on est 61, donc il ne reste plus que 65, 70, 75 et 77 au niveau des barrières spéciales. Il n'y a plus rien par rapport à la consommation particulière. Enfin, la consommation en termes de quantité d'objets. Boire tant de potions ou lire tant de manuels. Je crois qu'il n'y a plus ça. Donc, on peut utiliser ce qu'on a de manière relativement libre. Sans se prendre trop la tête. Comme d'habitude, je le répète maintenant. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est plus dans le monde du one-shot, par contre. Hein. Ouh, il faut qu'on fasse un minimum d'attention. Parce que c'était anal sismologique. Plus deux coups encore. Donc à voir si deux coups suffisent pour nos amis flambeaux sopalins ou s'il va falloir faire des trucs en plus, mais deux coups suffisent à part. Donc que je disais oui comme d'habitude. Que je pose mon huile noire. Je vais la garder pour le moment. Comme d'habitude, je reprécise que. On a Livia dans la pièce d'à côté qui va faire un petit stream cette fois de Witcher 2. Donc vous pouvez potentiellement, malgré quelques nettoyages sonores, l'entendre alors qu'elle est en mode « Non, ça ne marche pas !»« Le jeu est méchant avec moi !» Oula, il y a un gros truc en feu. Si je vais par là, je me fais attaquer. On va passer comme ça. Il faut qu'on fasse un minimum attention. C'est un peu le cul-de-sac, là. On va faire l'âme ténébreuse, je pense. Dommage que je touche pas l'autre flambeau. Évitons de grider. Je pense que je peux prendre un coup de lui. Ah, ils sont en mode non-agressif. Hein. Ah, autant pour moi. Ah, est-ce que je touche tout le monde, là? La réponse est non. C'est embêtant. Le mec arrête pas de fuir en même temps, en plus. Bon, visiblement, le gars n'arrive pas à me toucher, hein, donc ça... Remplis mon cœur de joie, là je touche tout le monde. On peut se permettre, je pense, un double lame ténébreuse. Le gars n'arrive pas à nous toucher. Alors, la question c'est, est-ce que vraiment il nous loupe parce qu'on a un minimum d'esquive grâce à Berserk? Ou est-ce que c'est parce qu'on a tellement de résistance, de constitution, via Chevalier Noir, que ils font genre c'est raté parce que c'est zéro de dégâts? J'avoue que je ne sais pas. C'est un deal. Alors, chanteuse, on s'en fiche un peu. Mais là, Cipello, on s'en fiche un peu. Alors, pour le coup, on va pas... secret de guérison. Je pense que ça ira. On va pas fouiller à fond les étages, parce que, bien entendu, les pièges font peur. Les pièges continuent de faire extrêmement peur. On le sait maintenant. Ok. On prend combien? Parce que là, de la magie... Non, c'est bon.
C'était une attaque normale. Je pense que c'est la constitution qui fait qu'il rate, hein, parce qu'honnêtement... HP 2... Quoique... Ils nous font tellement rien. Et ils nous ratent tellement, surtout, que je me dis vraiment que c'est la constitution qui joue. Grimoire, on a déjà des grimoires. On va plutôt enchaîner les étages. Même si on n'est plus du côté du one-shot maintenant, mais bon. On va pas... À mon avis, on pourra pas one-shotter les tout derniers ennemis de toute façon. À moins de vraiment monter à fond et de refermer comme des malades, mais... C'est pas l'objectif. Je pense qu'on va vendre les histoires revigorantes. On va garder le chevalier noir niveau 1, par contre, au cas où on tombe sur un manuel de fusion. Huile noire, clairement. On n'a pas plus besoin que ça. Les conjurations et l'anti-piège, par contre, on va le garder. L'anti-piège... J'aimerais bien avoir un grimoire vierge. Ou un manuel vierge, je sais pas comment ça s'appelle. Pour pouvoir faire plus d'anti-piège et faire un anti-piège tous les niveaux 5. Ce serait plutôt pas mal. Parce que là, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on se retrouve à devoir se balader lorsqu'on a un multiple de 5 à l'intérieur du niveau et à se prendre un piège dans la tête. Après, on est quand même extrêmement bien équipé, hein, on va pas se mentir. Mais ça reste quand même assez intimidant. Ah, c'est des mecs qui explosent, ça, non? C'est complètement des mecs qui explosent. Alors, il fait boum. Et ça fait 3 points de dégâts. Et ça ne fait rien sur l'inventaire. Ok. Tout va bien. Chanteuse niveau 2. On n'est toujours pas chanteuse. Donc, toujours pas. Ok, un piège, mais pas un piège très méchant. Cool. Ah, l'ascenseur est ici. Est-ce que je touche tout le monde avec ça? La réponse est non. Coup critique, excellent. 1300 balles. C'est cool. Guide des secrets. Alors les secrets, j'en ai fait pas mal quand j'ai farmé. J'ai utilisé pas mal de guides des secrets pour atteindre. C'est des salles où il y a des monstres. J'ai pas compris l'intérêt. Dans le sens où j'ai pas trouvé de... J'ai pas trouvé de coffre à l'intérieur des salles. Alors, peut-être que pour chacune des salles, je les ai juste loupées, ces coffres. Mais j'en ai fait quand même un peu moins d'une dizaine. Dont certaines salles plusieurs fois, du coup, parce que... On tombe manuel... aléatoirement sur une salle, mais du coup je suis tombé plusieurs fois sur la même par moment, mais à chaque fois j'ai pas trouvé de coffre ou quoi que ce soit. Alors ça m'a donné de l'expérience en tuant les monstres, mais c'était pas plus intéressant que de me balader sur le niveau. Après, ça permet de réinitialiser le niveau sur lequel on est. Donc dans les phases de farm, c'est assez intéressant dans le sens où on farm à fond un niveau, un étage. L'étage nous dit, bon, maintenant il y a le fondateur qui va arriver, dégage. On fait ça, on refait des combats, on regagne de l'XP, et derrière... on se retrouve quand même à pouvoir refarmer le même étage. Donc pour ça, c'est assez intéressant, mais... Autrement... J'ai pas eu de salle, en fait, où j'ai eu plein de coffres ou des trucs comme ça, à la place d'avoir plein d'ennemis. C'est une potion qu'il y a là-bas. Pas la peine. Je veux dire, on va tomber sur une trappe à un moment donné, on va refaire l'étage. C'est... Je pense qu'on peut faire sans la potion qu'il y a là-bas. C'est un peu dommage si jamais c'est un breuvage d'essor ou quelque chose comme ça. Manuel de fusion, excellent ça. Ça, on va ramasser. Ça va permettre de monter... le niveau de notre chevalier noir. Ça va faire du bien. Donc on dit chevalier noir. Pause. By my light. By my might. On prend ici, on ramasse. La manipulation habituelle.
Petite lecture. Hop. Et voici avec un incroyable chevalier noir niveau 47. Ok. Et là, avec ces niveaux supplémentaires, je sais pas combien on en est en constitution, mais on était proche des 100. 98, c'est pour ça aussi, on a une constitution de malade. Les fous furieux. Et on a quand même assez de force avec la... La vétissière de Berserk, heureusement pour nous. Disons qu'on a joué sur la complémentarité. Oups, j'ai mal regardé. Ah mais j'ai garde, apparemment. Ne me demandez pas pourquoi. On a joué vraiment sur la complémentarité de nos vétissphères, en final. Ça porte ses... Ah, explosion. 2 points, tout va bien. Mais ça c'est un autre truc que je comprends pas. Initiation aux soins. Vu qu'on est dessus. C'est que là je fais des attaques de poison. Du coup je me dis, bon bah j'avais un accessoire pour les attaques de poison avant. Mais je l'ai plus maintenant. Là Jean-Jacques il me fait brasier X. J'ai pas autant d'esprit que je n'ai de constitution. Donc c'est censé me faire mal. Certes j'ai eu un accessoire à un moment donné qui... la cape ignifuge. Qui me permet justement de pas prendre de dégâts de feu, mais je l'ai pas d'équipé là. Donc je comprends pas comment il est concevable qu'il ne fasse pas de dégâts en fait. Il y a un truc qui m'échappe. J'ai l'impression qu'on... C'est comme si on assimilait, à force de les utiliser, les accessoires qu'on a. Mais à côté de ça, il y a rien qui me l'a dit. Ou alors je suis totalement passé à côté du message. Hein. Je veux dire... dans info, compétence auto. Compétence auto, on est d'accord que pyroprotection, l'intérêt du fait d'avoir le l'accessoire de pyroprotection, c'est parce que ça me... Oh non! D'accord. À mon avis, il y a un truc que j'avais pas compris du tout, c'est que moi je me disais, par exemple pour avoir défense folie, il faut que j'ai l'accessoire de défense folie. Et ça c'est un compteur pour avoir défense folie, l'accessoire en fait. Mais en fait je l'ai en compétence automatique et j'ai un accessoire à côté de ça qui me permet de changer encore mes vétissures pour avoir d'autres compétences automatiques. Donc en fait pendant tout ce temps je porte des accessoires qui ne me servent à rien parce que je continue d'avoir les mêmes vétisphères. Si c'est le cas c'est à la fois beau et dommage pour moi. Mais ça fait sens. Ok. Donc en fait j'aurais tous les accessoires que je porte actuellement. En vrai on s'en fiche complètement. Parce que j'ai toujours les mêmes vétisphères qui me permettent d'avoir ces accessoires de toute façon. Donc, donc du coup je porte des accessoires pour rien. Je vais quand même les garder au cas où. Mais je crois que, alors qu'on est à l'étage 64, je viens de comprendre quelque chose, quoi, c'est... là, étant donné qu'on est sur du 1, on va tout de suite l'utiliser. On va mettre mage blanc, parce que j'ai un autre truc de mage blanc qui traîne. Comme ça, on montera le niveau plusieurs fois de suite. Plus mage blanc, c'est vraiment celui qu'on n'a pas EP du tout, donc ça fera un petit peu plus de stats diverses et variées. Et du coup, ok. Ok, si c'est ça, ce système de compétences là, c'est... C'est très bien. Mais j'avoue que je l'avais pas du tout compris comme ça. Ok, ça va, c'est des dégâts. C'est des dégâts et je perds de la thune. Vous voyez là, les petites pièces qui s'en vont, à chaque fois que je fais un pas, je perds de l'argent. C'est pas la fin du monde, quoi. Vu comment on est pété de thunes... Oh, je l'ai pas two-shot. J'espérais secrètement. Alors, on va activer. Et nous arrivons à l'étage 65. Alors, l'étage 65...
Petite particularité, pour faire sa barrière, il faut qu'on ait l'apparition du fondateur, au bout de à peu près 420 tours ou plus. On voit que c'est la seule barrière qu'il y a. Donc ce qu'on va commencer par faire, on va pas faire tout le tour, etc. parce que je veux garder mon petit manuel anti-piège là où je sais plus comment ça s'appelle. Déjà on va se soigner. Alors comment fonctionne le fondateur? Au bout d'un moment, si on passe trop de temps à l'intérieur d'un... Compétence, merci. Si on passe trop de temps à l'intérieur d'un étage, on se retrouve avec des messages relativement inquiétants qui font genre... on entend des bruits inquiétants, tout ça, blabla. Ça veut dire que le fondateur commence à arriver. Au bout d'un moment, le dit fondateur... il apparaît vraiment et il nous poursuit. Alors il apparaît de manière aléatoire, apparemment. Et s'il nous touche, il nous transforme en le Blanchette. Et lui-même, il se re-téléporte ailleurs. Ce costume de le Blanchette, on va dire, c'est un costume qui nous met mal. Parce que on peut plus utiliser les compétences. Enfin, je sais pas exactement ce qu'on peut faire en le Blanchette, mais... apparemment, soit c'est sur les compétences pour plus les utiliser, on a des stats de merde ou je sais plus quoi. Dans tous les cas, ça nous met mal. Le fondateur, lui, se met ailleurs dans l'étage. Pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de passer des tours, en vrai. Alors il va quelque part une autre case aléatoire, ça peut être à côté aussi. Hein. S'il nous retouche alors qu'on est le Blanchette, c'est un soft game over, quoi. On revient au niveau 1, au premier étage, ou un truc du genre. Je sais pas si c'est exactement ça parce que ça m'est jamais arrivé. Mais dans le principe, en tout cas, ça peut potentiellement justifier qu'on recharge la sauvegarde, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Sauf que là, il va falloir qu'on joue un peu avec le feu et qu'on fasse venir Jean-Jacques Fondateur dans l'étage. Alors, si on a la chance, bien sûr, il vient dans une autre pièce et ainsi de suite, le temps qu'il arrive, on est tranquille, quoi. Et donc, après ce Fondateur, quand il vous transforme en le Blanchette ou quoi, quand on change d'étage, on est plus censé être une le Blanchette, je crois, un truc comme ça. Alors, je sais pas combien de fois je suis censé appuyer sur ce passage de tour, ça doit être extrêmement intéressant à regarder. Mais dans le principe, je donne tout ce que j'ai là. Je suis sur une navigation du pouce sur mon pad qui est assez incroyable. Pour passer le tour, on laisse rond enfoncé et on appuie sur le pad central de la manette de PS4. Donc là, je n'arrête pas. Alors, faut savoir qu'il y a certains niveaux. Donc le fondateur va en avoir besoin ensuite derrière. Sur les autres barrières spéciales en haut de la tour. Ah, des rires inquiétants résonnent dans le lointain, c'est la première des phrases. Et il apparaîtra plus vite dans ces autres niveaux. Des rires lugubres se rapprochent. Donc là, ça commence à monter niveau de tension. On se dit que... on espère que ce qui a marqué sur le calepin est vrai, que ça va bien péter la... voilà. Une aura effroyable émane de cet étage. Donc ça veut dire que le fondateur est arrivé. On le voit d'ailleurs, hein, y a un petit truc rouge qui se met sur la carte. Donc là, c'est bon. On va sauvegarder. Donc vous voyez, il faut quand même faire un sacré nombre de tours. Il faut imaginer que à chaque fois que j'ai appuyé sur le bouton, donc quand je vous ai parlé, j'ai quand même appuyé beaucoup de fois. Apparemment, plus de 400 fois. C'est des choses où nous, d'habitude, on se déplace d'une case, on fait une attaque, on boit une potion, etc. D'où le fait qu'on l'ait jamais rencontré dans le chemin normal, on va dire, de consommation de nos étages.